Bonjour, c'est Olivier pour Tempo FM. Je me trouve actuellement au Mondial du Vent. Mondial du Vent donc qui a commencé le samedi 26 avril et qui va se dérouler jusqu'au 4 mai. Voilà, 9 jours de Mondial du Vent. Il y a donc toutes les meilleures compétitions sur l'eau. Voilà, vous pouvez voir d'ailleurs. Donc on va continuer bien sûr la visite de ce Mondial du Vent, on se retrouve tout à l'heure. Et bien voilà, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de vent. On est sur le ponton juste après le village, le village du Mondial du Vent. Et puis donc dans quelques instants, et bien on va aller voir ce qui se passe du côté bien sûr des compétitions. On arrive à avancer quand même, c'est pas évident, il y a énormément de vent, ça peut normal, c'est le Mondial du Vent bien sûr, et vous pouvez voir ce qui se passe derrière moi. On va essayer également d'avancer encore un peu plus loin. On est assez soufflé aussi. Donc ici vous pourrez retrouver du freestyle, une compétition de speed également. Donc en fait une compétition de vitesse. Et puis également donc les figures en freestyle. Voilà. We'll be right back.
Et oui, après moult péripéties pour arriver jusqu'ici, quand même, ça fait loin. Hein. En plus, on n'était pas équipés. Voilà, donc c'est bien fait pour moi. Ouais, je vous trouve plutôt bien équipé, moi, hein, quand même. Merci. Un dans l'oreille, un porte-machin. Non, non, vous êtes quand même bien équipé, non, attendez. Voilà, donc je suis avec, bien sûr, vous avez pu voir José Garcia. José Garcia qui est le parrain de cette manifestation. Bonjour José. Bonjour. Donc parrain de ce 18e mondial du vent, bien sûr. Alors pourquoi vous êtes parrain du mondial du vent, justement? Bah écoutez, parce que j'ai une passion, une de mes nombreuses passions qui est le kitesurf. Et voilà, et je suis venu il y a 2 ans pour être parrain. Et dès que je peux, dès que je suis pas en tournage ou j'ai signé un film, en fait, je viens pour mettre le focus sur une des disciplines. Parce qu'en fait, on a plusieurs disciplines ici. On a la longue distance, on a le speed, la vitesse, donc, pardon, plutôt que de faire des mots anglais. Et puis le freestyle, donc tout ce qui est acrobatie aérienne, voilà, que les gens aiment avoir. Donc l'année dernière, ben, on est venu faire 2, 3 petits sauts. Enfin, il y a 2 ans, je suis venu faire 2, 3 petits sauts pour faire honorer le freestyle. Et cette année, ben, j'ai ouvert la compétition de vitesse. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez quand même expliquer à nos auditeurs en quoi consiste le kitesurf? Alors, le kitesurf, c'est une voile, le kite, et le surf, donc la planche. Alors, elle peut être, soit ça peut être une planche où il n'y a pas de protection dessus, c'est-à-dire strapless, donc sans strap, qui permet bah, de faire soit de la vague, soit de la vitesse, soit voilà. Et ce qu'on a, on appelle ça un twin tip, c'est-à-dire une planche normale que vous voyez pratiquement tout le temps dans tous les films où vous voyez des kiteurs, et qui permet de naviguer ou de faire des sauts. Et puis là, on a une originalité, c'est-à-dire la course de vitesse qui est faite avec une planche beaucoup plus fine qui s'appelle un gun et qui permet d'aller très très vite. Or là, on partage un petit peu le spot avec les windsurfers qui vont beaucoup plus vite que les kiteurs généralement. Et vous avez ici, maintenant ici à l'E4, les meilleurs mondiaux qui viennent du monde entier et c'est une course qui compte pour la PKRA, qui est le championnat du monde de vitesse et de longue distance. Voilà. Oui, pareil que d'ailleurs à l'E4, ça fait partie des 17e plus grandes manifestations de kitesurf au monde. Oui, absolument. Oui, elle fait partie de la vraie compétition de championnat du monde, même en freestyle. Et hier, j'étais pas là malheureusement, mais il y a eu tellement de vent qu'il y a eu vraiment une compétition très accrochée. Ouais. Oui, d'ailleurs, on sait pourquoi c'est le modèle du vent hein, quand on arrive là. Oui, ça, je dois dire que ici, oui, c'est assez tonique, oui. C'est assez Voilà. Donc, il paraît qu'à Lucat, il y a 300 jours de vent dans l'année. C'est possible, mais en tout cas, il y a de la rafale aussi. C'est un vent très très violent et irrégulier, donc il est particulier. C'est-à-dire que quand il pousse, il surprend énormément, mais il y a aussi des rafales et c'est assez costaud de naviguer là. Pas facile à maîtriser, mais en même temps. Quand il souffle vraiment et qu'il est vraiment régulier, alors il pousse vraiment très fort. Oui. C'est pour ça qu'ici, à chaque fois, il y a vraiment des chronos qui sont complètement dépassés, quoi. Ben, je vous remercie, José Garcia. J'ai entendu que vous allez faire une séance dédicace demain. Oui, alors je fais partie d'une équipe, on appelle ça un team de riders, mais on utilise toujours des mots anglais, mais j'aime pas trop faire la péteuse. Donc, d'une équipe de riders et de gars qui font des t-shirts et des vêtements qui s'appellent Adrenaglisse, vous voyez là. Et donc voilà, je viens faire une petite séance de dédicace avec d'autres personnes qui font partie. Voilà, c'est que des vêtements pour les gens qui font des sports extrêmes et après voilà des t-shirts et aussi pour le commun des mortels hein, qu'on peut prendre sur internet. Et voilà, et j'adore ce qu'ils font, j'adore les t-shirts, les couleurs. Donc on vient faire des dédicaces et puis après j'irai voir mes amis de Mavericks qui font des skates électriques. Et voilà, donc voilà, on est toute une bande de potes ici maintenant, on se connaît depuis un petit bout de temps et voilà, on partage. Mais vous restez les 9 jours ici ou... Non, je reste que 3 jours et j'essaie de venir en tout cas le plus longtemps possible de manière à ce qu'il y ait du vent et qu'on puisse vraiment profiter pour les médias, mettre un petit peu le focus sur la vitesse. C'est pour ça que voilà, on doit faire des plans en hélicoptère, après en vitesse ici. On attend qu'ils terminent la course pour pouvoir s'intégrer au milieu de tout ça, quoi. Ah, je vous remercie. Un dernier mot pour nos éditeurs. Oui, vive Narbonne, hein? Bah, je vous remercie. Une spéciale dédicace à mon ami Jean-Yves Glémé, voilà, parce que je suis parrain d'une association qui s'appelle Rêve de Gosse et je sais qu'il fait partie de vos élus locaux à Narbonne. Donc voilà, à chaque fois, je me suis posé déjà à Narbonne. J'ai fait chaque année, avec Rêve de Gosse, on fait
des baptêmes de l'air pour les enfants dits extraordinaires qui sont dans des centres et pour les enfants ordinaires aussi qui sont dans les écoles. Et ma première rencontre à Narbonne, ça a été ça, ça a été de faire des baptêmes de l'air pour les enfants. Donc voilà. Eh bien, je vous remercie pour ces précisions. Merci. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, bien sûr, après cette belle interview de Monsieur José Garcia, car je peux dire monsieur, donc nous voilà au village, où, bien sûr, après l'effort, le réconfort, je pense qu'on l'a bien mérité. Hein. Je remercie également Angélique, qui a filmé aussi, et puis Sandrine, qui a pris énormément de photos, vous allez pouvoir les voir, bien sûr, dans cette vidéo. Voilà, merci. Et puis, donc, c'était la 18e du Mondial du Vent à Le Cat de la Franquille. Au revoir. FM. La future radio.